Bon accueil au cours des derniers jours, quelques jours même avant Viens, mon bébé. tombe sous les balles des policiers sur les trois bonnes aventures vendredi dernier. L'homme en question nous l'a décrit en fin de semaine comme quelqu'un de calme, de réservé, qui se mêlait peu aux gens. Qu'est-ce qu'il a vu, la fille de papa? Qu'est-ce qu'elle a, la fille de papa? Qu'est-ce qu'elle a, la fille de papa? Qu'est-ce qu'elle a, la fille de papa? Elle a-t-il des problèmes? Viens ici. Viens ici, mon ami. Des problèmes de consommation de drogue, donc en ce moment, il y a des gens qui ont besoin de demander de sa famille, qui sont toujours en Iran. Maintenant, l'enquête policière qui avance, c'est aujourd'hui que les deux policiers impliqués dans cette fusillade vont être rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il est petit bébé là-bas, hein? Qui a mal tourné. Les deux policiers ont été blessés. Ils ont reçu leur congé d'hôpital au cours de la fin de semaine, samedi. Oh, des petits bébés dans le ventre, maman. Qui a été un violent choc nerveux. Ce qu'on nous dit, selon la fraternité des policiers de Montréal, c'est que le policier qui a été blessé, lui, avait près de 20 ans d'expérience, et son collègue, lui, avait quelques mois d'expérience au sein du service de police de Montréal. Donc, on va continuer de suivre les développements qui, effectivement, soulèvent plusieurs questions, et ça a été le cas. En fin de semaine, on a entendu le maire de Montréal, Gérald Tremblay, qui a soulevé des questions quant aux services qui sont offerts aux gens de la rue qui sont atteints de problèmes de santé mentale, ce qui pose, bien sûr, des méfis importants pour les gens qui doivent intervenir avec eux au quotidien. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie, à plus tard. Les autorités viennent de mettre un terme aux recherches pour tenter de retrouver Pierrette Lamy, cette dame de 72 ans, portée disparue depuis jeudi déjà. Pour faire le point, tout de suite, on joint Nathalie Lorrain de la police de Laval. Bonjour, Mme Lorrain. Bonjour, Mme Berry. Bon, pour quelle raison exactement est-ce qu'on met un terme aux recherches aujourd'hui? Écoutez, suite à la réunion de ce matin, les intervenants dans cette opération-là ont fait une rétroaction finalement de tout. Et on est venu à la conclusion que tout ce qui pouvait être fait au niveau terrain, et quand je parle de niveau terrain, j'englobe évidemment les recherches avec la Sûreté du Québec, la déploiement. Qu'est-ce qu'elle a vu, la fille? Qu'est-ce qu'elle a vu, la fille? Elle a vu des canettes. Alors, à ce moment-là, il y a des canettes que la dame pouvait couvrir. Ils vont bien, les bébés, maman. Ils vont bien, les bébés, maman. Ils vont bien, les petits bébés, maman. Gros bébé, il n'y a pas passé en cours. Je vais oublier. Je vais dire qu'il est dans son ventre. A été couvert par nos policiers de différentes façons. Et on en est venu donc à la conclusion que papa, faut qu'il aille donner des canettes à maman Lulu. J'imagine, comme vous dites,